Salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui sur une caméra Obsubilis. Alors après avoir été défolié cet hiver sur certains rochers, donc c'est à dire qu'il y a des lances qui ont sauté, comme ici on voit sur le site principal, je suis étonnamment surpris que sur quasiment tous les rochers qui ont été défoliés, ça repart. C'est défolié, c'est reparti. Il y a un petit rocher reparti. Donc un petit stipe. Ça repart. Là, derrière. Pareil, c'est pas un nouveau rocher, c'était un rocher déjà existant. Ça repart. Non. Je sais pas si on va voir. Pareil, ça m'a sauté, je vais tirer la lance. Je suis pas mis au point. Mais on voit que ça repart aussi. Donc il y a plusieurs rochers qui partent. Alors que le site principal, lui, est au voilou. Étonnant. Et sur le gros humilis qui est là, c'est pareil. Bon, j'ai des rogers, ça avait défolié et c'est reparti. Puis deuxième chose à laquelle je suis étonné, c'est que on se tape que de la pluie là depuis un bon moment. Il y a vraiment des températures pas ouf, mais malgré tout ça pousse bien. Parce que à la base j'avais quasiment plus rien. C'est bien parti. Donc ça souffert quand même. Le feuillage est jaune clair. Voir aussi sur le plus gros type, on voit sur les pétioles ici là que c'est bruni et tout le temps ça casse. On peut voir sur celle là sur celle ci aussi. Malgré tout, ça pousse bien. Pourtant, je vous dis, on a vraiment des températures et un temps assez pourri. Et le Trachycarpus wagnerianus, pareil, qui a bien mangé. Ça, c'est pas du papillon, c'est l'hiver qui a fait mal. Voir là-bas, pareil. Deuxième wagnerianus qui a un peu souffert de l'hiver. Pareil sur le sériféra, ça avait défolié, ça repart, sauf sur le type principal. Ça c'était la lance qui avait défolié, puis ça repousse, c'est quand même sur le roger. Là pareil, il avait sauté les lances, ça repart. Le deuxième, par contre, alors je trouve que c'était un pied. Celui-là, ça doit être le pied femelle, puis le pied mâle. Le pied femelle n'est pas reparti pour l'instant. Et puis là, le wagnerianus, pareil. Il n'y en a que moi, dit ça. Contre le nano, je suis assez content. Les températures devraient monter un petit peu la semaine prochaine, mais toujours à 4 ans pourri quoi. On verra bien.